Il y a eu beaucoup de débats, beaucoup, mais au final, comme je l'avais annoncé, il y a eu au second tour, Delphine de Vigan, c'est quand même assez, assez démarqué avec 8 voix contre 5. Mais oui, comme je le disais, on n'a pas eu assez de 3 heures de débat, on avait trop de choses à dire sur tous les romans. Parce que c'est tous des romans qui nous ont touchés, au moins sur un point, tous. Donc tout le monde avait quelque chose à dire, et c'était passionnant, du coup, ces heures de débat, inévitablement. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi Delphine de Vigan plus que les autres? Encore une fois, ouais, c'est... C'est la réflexion qui a été portée, qui a touché à peu près tout le monde, je crois. Donc là, on avait tous ressenti quelque chose à partir de l'autobiographie peut-être, on ne sait pas justement, romancée de Delphine de Vigan. Et on a tous réussi à se représenter nous-mêmes, s'identifier au personnage, s'identifier au rapport qu'elle entretient au monde. Donc voilà, c'est un livre qui est assez transcendant en fait, au final. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Vous l'avez eu brièvement au téléphone, mais vous avez brièvement. La rencontré cet après-midi, qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que je lui dirais? Je sais pas, je crois que je vais lui dire bravo d'abord, tout simplement. Et merci aussi pour le roman. Et après, je crois que j'aurais juste envie de parler avec elle, peut-être de choses et d'autres. Voilà. C'est quelqu'un qui m'intrigue beaucoup en fait. Au vu de son roman, c'est le premier que j'ai lu d'elle. D'ailleurs, j'avais entendu parler d'elle, mais je n'avais pas lu d'autres romans, j'ai pas eu l'occasion. Mais non, je crois que j'ai envie de découvrir du coup qui se cache derrière ce roman-là, qui se cache derrière cette réflexion. Je pense que c'est inévitablement quelqu'un de très intéressant. Un dernier mot pour les futurs lycéens qui seraient intéressés. Le concours des lycéens, c'est une belle expérience. Oui, très belle expérience. Si vous avez l'occasion, jetez-vous dedans, vraiment, allez-y. Et puis, il faut que vous preniez le temps de faire ça. C'est exceptionnel, véritablement.